m'appelle Damien Letellier, je suis chez Adimo depuis 2 ans et je suis développeur web. Je suis responsable technique chez Adimo, je travaille à Metz. Je suis Jean-Pascal, développeur Drupal chez Adimo depuis 1 an. Au quotidien chez Adimo, c'est de trouver des solutions à des problèmes et de développer des applications web. Au quotidien, je vais travailler depuis un cahier des charges établi par nos chefs de projet pour un client. Le client s'adresse au chef de projet, même s'il a des questions techniques, le chef de projet revient vers nous. Et inversement, si on a des questions sur le fonctionnement, sur le besoin du client, on passe par le chef de projet qui fait l'intermédiaire ou qui connaît bien le projet et sait répondre tout de suite. Alors ce qui change beaucoup avec l'approche DevOps, c'est qu'on n'a plus cette séparation d'équipe qu'on avait notamment avant. Aujourd'hui, le DevOps, justement, il intervient dès le début du projet pour tout ce qui est la partie déploiement et développement. Il est souvent amené à créer des environnements de développement, éventuellement des environnements de recettes et de production, en utilisant tout un panel de technologies. C'est BiblioGironde, c'est un projet pour une collectivité de bibliothèques sur la Gironde, qui va s'occuper de leur fournir des formations, des services pour gérer leurs abonnés, leurs prêts. C'est un projet en Drupal 8 qui était d'assez grande ampleur et qui a permis de voir beaucoup de choses sur le spectre Drupal 8. Donc c'était très formateur, très intéressant. Et on a pu essayer de mettre en place des méthodes réutilisables pour les futurs projets. Mon prochain défi, c'est d'apprendre à développer en Node.js. Le challenge, c'est d'aller encore plus profond dans les technologies, voire d'en apprendre d'autres pour pouvoir avoir un panel plus large et pouvoir répondre à plusieurs projets en même temps. D'une part, c'est le fait de continuer à apprendre Drupal et Drupal 8. L'autre gros challenge, c'est en passant de réussir à trouver des méthodes pour uniformiser les process de travail sur Drupal 8 pour gagner en productivité sur les futurs projets.